Bienvenue sur la chaîne de la boutique d'Epona, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit. Alors si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je vous présentais le cataplasme réparateur de la marque Nelumbo, sachez que l'odeur elle en est très agréable mais elle reste très longtemps sur les doigts. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i juste au-dessus. Où il m'arrive une petite mésaventure, mais comme j'aime dire qu'il n'y a aucune transparence entre vous et moi, je vous ai laissé les petits plans. Où, il m'arrive une petite bricole, mais ça c'est les aléas du tournage, voilà. Donc voilà, donc revenons à notre vidéo, donc je vais vous présenter un produit. Il s'agit du démêlant naturel crin de la marque Nelumbo, donc fabriqué à la main en Bretagne. Sa composition est 100% d'origine naturelle et vegan. C'est un démêlant lustrant, donc à utiliser sur la crinière et la queue de nos équidés, à base d'algues, de glycérine végétale et d'aloe vera. Il va vous permettre de brosser et démêler plus facilement les crins, tout en respectant l'épiderme de nos chevaux. Son utilisation est très simple. Vous secouez avant l'utilisation, vous le pchitez sur la crinière et sur la queue, vous attendez 2 minutes qu'il agisse et ensuite vous commencez le brossage. Alors pour le brossage, petit conseil, commencez toujours par les pointes, que ce soit pour la crinière ou pour la queue. On commence par les pointes et on remonte progressivement pour éviter en fait d'accentuer les nœuds. Parce que si vous commencez en haut et qu'il y a des nœuds en haut, en fait en commençant par le haut, vous allez déplacer les nœuds vers le bas. Et si en plus d'avoir des nœuds en haut de la crinière ou de la queue, vous aviez déjà des nœuds en bas, en fait les nœuds du haut vont arriver sur les nœuds du bas. Et puis là, c'est la cata pour démêler, c'est encore plus compliqué, on casse plus de crins. Donc voilà, quelque chose d'important, c'est simple à retenir, c'est le petit conseil du jour. Son utilisation optimale, donc, elle est valable 6 mois après le premier pchit, donc après l'ouverture. Il se présente comme ceci, donc comme un flacon pompe de 300 ml et il est au prix de 21 euros. Sur les crins, il va laisser un toucher doux et soyeux avec une agréable odeur de fleur d'oranger. On va aborder sa composition un peu plus en détail. Alors tout d'abord vous allez retrouver l'huile de chanvre. Cette huile va pénétrer à l'intérieur du crin pour le renforcer et elle va aussi permettre de créer une barrière naturelle anti-pelliculaire. Il contient également de l'algue rouge, elle va venir resserrer les écailles du crin, les hydrater et apporter souplesse et brillance. Ensuite, nous avons l'aloe vera qui va venir réguler le sébum, nourrir et purifier les crins en profondeur. Et elle va également apporter une protection naturelle anti-pelliculaire. Alors, bien évidemment, comme c'est un spray, faites toujours attention quand vous allez l'appliquer, que ce soit aux yeux de votre cheval ou toute autre équidé, ou même les vôtres. Parce que même si on est sur du produit naturel, c'est pas fait pour rentrer en contact avec notre rétine. Donc bien évidemment, si ça rentre en contact, faut pas hésiter à rincer le produit avec de l'eau claire. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce démêlant lustrant ne laisse aucune tache et ne fait aucune trace sur la robe de nos équidés. C'était la présentation de ce petit démêlant. Alors, on a quand même une bonne contenance. Alors je suis aussi très pressée de pouvoir l'essayer, notamment sur les crins de Bardo et Epona. Parce que Mikado, lui, il a une crinière et une queue qu'il ne s'en mêle pas. Donc c'est rare que je vienne à utiliser un démêlant sur ses crins. Mais donc du coup, pour les filles, c'est indispensable d'avoir un démêlant. Parce que Bardo, ils sont énormément denses et épais. Ils s'en mêlent facilement. Et Epona, c'est un peu pareil. Bon, c'est un petit peu plus fin, mais ils s'en mêlent assez facilement aussi. Et en belle saison, comme j'utilise des produits pour sa dermite, ils ont tendance à être très gras. Donc la poussière, tout ça, tout se colle sur ses crins. Donc c'est pas évident. Donc j'utilise quand même toujours un démêlant, du moins pour les filles, c'est sûr. Je suis vraiment pressée de pouvoir l'essayer. D'ailleurs, ça ne serait tardé.
Donc c'est pareil, je vous ferai un retour produit, donc soit en vidéo ou soit sous article de blog ou publication, c'est encore à voir, je vais voir comment je m'organise. Mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, tout sera publié sur les réseaux sociaux de la boutique d'Epona. Donc n'hésitez surtout pas à la rejoindre sur Facebook ou Instagram. De toute façon, vous retrouverez tous les liens utiles dans la barre d'infos de cette vidéo, donc je vous invite grandement à aller la checker. Je termine cette vidéo ici, donc si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo verra le jour sur cette chaîne, à la rejoindre donc sur ses réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous, caressez à vos poilus et moi je vous dis à la prochaine.